Bah oui. Il était une fois une fort jolie princesse qui avait de beaux cheveux soyeux. Un jour, elle rencontra un grand prince très charmant aux yeux bleus. Mais ils eurent à traverser de nombreuses épreuves avant de pouvoir enfin être réunis. Ils se marièrent, eurent de magnifiques enfants et ils s'aimèrent jusqu'à la fin des temps. Même les enfants savent que les histoires d'amour ne finissent pas toujours comme dans les contes de fées. En fait, dans la vraie vie, c'est parfois le contraire qui se passe. La belle et son prince se rencontrent et au début, tout va bien. Il n'y a aucun nuage à l'horizon. Alors, ils se marient, ils ont des enfants. Puis, un jour, les conflits arrivent. C'est là que les épreuves commencent. Quand ils décident de se séparer, parfois, les parents s'entre-déchirent pour la garde des enfants. Mais s'ils ne font pas attention, ce sont les enfants qui se retrouvent déchirés. L'histoire est pratiquement la même pour tous les enfants qui se retrouvent un jour coincés entre deux parents qui ne s'entendent pas du tout. Des fois, ça vire en guerre, là. La guerre totale. Pardon? La guerre totale. La guerre totale s'ils se rencontrent. C'est vrai que ça pourrait faire la Troisième Guerre mondiale parce qu'ils veulent pas se voir. Eux, ils faisaient la Deuxième Guerre mondiale, puis moi, j'étais le colonel qui leur disait « Arrêtez! » La Troisième Guerre mondiale, pour l'enfant, quand un enfant nous dit ça, c'est l'ampleur de la chicane quand même. Je ne demanderai pas à ma fille de 13 ans d'assumer une décision qu'elle n'est pas capable de prendre parce qu'elle ne veut pas pencher entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on fait alors? On arrête ça. C'est fini. C'est fini, sauf que moi, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'engager pour mes enfants à respecter ce qu'on va avoir entre nous autres, that's it, that's all. Mais je me battrai plus pour mes enfants. Fuck off. Je pensais d'avoir quelque chose de concluant, moi, ici. Je suis seul. Je suis seul. T'es égoïste, égocentrique. T'as toujours été comme ça, puis moi, ça reste comme ça. Je me considère pas comme égoïste. Ah oui, parce ah, que oui. Moi, j'ai aucun problème pour le bien-être de la famille, puis de Marie-Pierre. C'est ton bien-être à toi. Qu'elle aille vivre avec papa. Ça va être dur pour moi, c'est déchirant, non. Ça. Je vais me séparer de ma vie. Exact. Puis là, ce que vous faites, les autres, c'est tout ou rien. Puis là, tu m'amènes toutes sortes de petites niaiseries qui sont pas valides pour moi. C'est pas des niaiseries. C'est toutes sortes de petites niaiseries. Puis ça, c'est tes besoins personnels à toi. La réalité, mon ami, d'aujourd'hui, là, c'est qu'elle n'est pas ouverte, elle veut rien savoir. Ça fait trois fois qu'elle te le dit. Moi, je t'assure. Moi, ça fait 10 ans. Ah, mon agressivité, c'est pas agressif, moi. Tu me fais mal. Ça fait 10 ans que tu me fais mal, tu continues. Regarde, moi, je te dis juste que c'est quoi la patente? Elle lâche pas, elle a jamais lâché le bout. Elle a jamais lâché le bout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, la seule chose que je te dis aujourd'hui, là, c'est que moi, je suis très, très fier de moi, puis je suis vraiment assis ici, moi, pour le bien-être de mes enfants. Mais Chris, je suis tout seul. Je te remercie beaucoup. Je suis désolé. Moi, je m'en vais. Ah, ben regarde, je suis pas désolé, moi. Moi, j'ai décidé d'être honnête dans ma vie aujourd'hui. Puis moi, je veux vraiment le bien-être de mes filles. Puis ça, quand on sera deux, ça va être le fun. Merci. Les enfants de chicaner, là. C'est sûr que c'est pas facile, là. À chaque soir, à peu près, il y avait une chicane. Puis, tu sais, c'était pas super agréable, là. T'es entendu se crier après, puis tout ça, parce que tu penses que c'est de ta faute, tu sais. Fait que ça te met de la pression sur les épaules, en plus, là. Quand ils s'engueulaient, c'était pas mal l'heure que j'allais dormir. Puis, je me mettais, genre, 75 oreillers au-dessus de la tête, puis je les entendais quand même. La solitude de l'enfant de parents séparés, elle est réelle et elle est profonde, peu importe son âge. Quand ils sont séparés, je croyais que c'était de ma faute. Fait que je voulais pas trop en parler, puis j'aimais pas trop ça. Fait que à peu près 2-3 jours, je leur parlais pas vraiment. J'étais pas mal bouche cousue parce que je m'interroguais, puis je voulais pas trop poser de questions. J'étais pas trop sûre. Puis là, après, j'ai commencé à leur parler, mais un petit peu comme si j'étais timide, genre.
Puis que je venais juste de rencontrer du monde, puis que, tu sais, j'étais toute timide. Je me cachais un petit peu, puis je parlais pas beaucoup, je bégayais même. Des fois, je bégayais devant mes parents, puis j'étais tellement triste, là. Donc, Étienne, quand tu regardes ces sentiments-là, qu'est-ce que toi, tu vis dans le moment avec la séparation de tes parents? Bien, je crois qu'au début, j'étais plus tout mélangé. Je me sentais coupable, puis je suis en colère. OK. Bien, de l'inquiétude. Bien, je sais pas où je m'en vais. Parce que je passe en cours bientôt. Ah, OK. Bien, je suis triste. Parce que, genre, je pense que je vais plus aller chez mon père. Mais c'est un peu triste parce que j'ai toujours vécu avec ma mère. Toi, c'est quoi qui t'en triste dans le moment? Ben, mes parents sont séparés, puis c'est peut-être les voir un divisé par de l'autre. Oui, OK, OK. Marie-Pierre, elle, qu'est-ce qu'elle vit? Ben, je t'inquiète. Surtout parce que je sais pas quand ça va arriver qu'ils vont chicaner. Mm-hmm. C'est ça que c'est inquiétant. J'ai des parents par rapport. Je sais pas, c'est gênant, là. Mais c'est pas gênant, mais c'est comme le plus la honte. J'ai rencontré Lorraine Pillion, qui m'a énormément aidée. Je savais que je pouvais me confier à elle, que, tu sais, elle saurait me comprendre, puis que là, je pouvais me tout dire ce que j'avais dans le cœur, puis me lâcher lousse, là. Nos services relèvent du Centre jeunesse de Montréal, qui est un centre public qui offre de l'aide aux familles ici à Montréal. Donc, il n'y a pas de frais pour les parents qui en bénéficient, en autant qu'ils ont un enfant de moins de 18 ans, parce que c'est un centre jeunesse. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'un père, ça sert à rien? Ben non, pas à ce point-là. Non. À quoi ça sert un père? À quoi ça sert une mère quand les parents sont séparés? Une mère, ça sert à devenir une femme, je sais pas. OK. Puis un père, c'est la même femme avec un gars. Ben, c'est que si t'as des problèmes, souvent, ça peut te comprendre. OK. Des fois, un père, ben, ça peut pas te comprendre, mais ça peut t'aider, là. Est-ce qu'il y a des pères qui cuisinent? Ah, OK. Donc, est-ce qu'on les deux cuisinent? Est-ce qu'on peut leur écrire ça? Ouais. OK. Quoi d'autre que les pères peuvent faire qu'on voit pas souvent chez les mères? On peut mettre comme sport à côté d'un plus pour les pères, mais des fois, les mères aussi en font. Okay. On pourrait mettre sport, mais pas de plus avec les mères, bon, c'est ça? Moi, je vois pas vraiment ma mère faire du sport. Non. La plus grande qualité de mon père, c'est... il est sociable. Il est surtout persévérant, il est patient. OK. Est-ce qu'il y a des choses que les mères font plus que les pères, vous trouvez? Se coiffer, par exemple, ben, le père, il est moins bon là-dedans parce qu'il n'est pas habitué avec des cheveux. OK. Oui. Le scrapbooking. Le scrapbooking, c'est qui fait ça, le bébé? Ouais. Magasiner. Ah, ouais. Ben, magasiner. Ma mère est gentille, est patiente. La plus grande qualité de ma mère, c'est qu'elle s'occupe super bien de moi. Chez ma mère, ça se passe plus strict que chez mon père. Non. Parce que mon père, il me boit moins souvent. Fait que je pense qu'il veut plus me laisser du lousse. Toutes les mères, je pense qu'on sort de même. Là, ils ont un peu peur. Ils ont plus peur que leur père, là, que les pères. On marche pas. Ce que j'aime le plus quand je vais chez ma mère, pas. C'est ma soeur. À chaque fois que je viens, elle est tout le temps après moi. Elle me donne tout le temps des colures, des câlins. Puis elle m'aime bien gros. Puis ma mère... elle trouve ça super drôle. Fait tu sais, il y a pas mal tout le temps de la joie chez ma mère. Puis chez mon père aussi. Mais tu sais, ici, il y en a énormément. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir assez de temps pour faire ce que je veux faire. Ah, c'est le fun. Je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 14 ans, j'ai trois sœurs. La première, la plus jeune, a 11 ans. Elle s'appelle Joanie. La deuxième, Pascal. Elle va avoir 13 ans. Après ça, il y a moi. Après ça, il y a ma plus grande sœur. Ben, c'est notre demi-sœur, mais nous, on la prend pour notre sœur. Puis c'est Valérie, elle a 17 ans, puis elle va avoir 18 ans. Mes parents sont restés ensemble 2 ans après ma naissance, puis ça fait 10 ans qu'ils sont séparés. Ben, ils se sont séparés à cause d'une canne. Ils s'entendent pas bien. J'avais 12 ans quand ma mère a pris la garde complète. C'était vraiment difficile, là, parce qu'on savait qu'on verrait moins souvent mon père.
Ce que je voudrais, c'est que vous parliez à la caméra, tout à l'heure. Seule. Non, je prie de seule. Tu vas être toute seule. Si, 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 si. Tu vas être seule et tu vas te parler à la caméra. Elle, elle parle de mes histoires d'amour, puis moi, j'en parlerai pas parce que ça me tente pas de rentrer là-dedans. Ben non, parce que tu lui as dit que j'étais une pute, moi. Il y en a 150 qui passent là, là depuis 5 ans. Ça n'a pas d'allure. C'est pas vrai, fait que c'est comme ça depuis des années. Tu m'attaques sur certaines affaires quand tu regardes pas tes crises d'affaires à toi. Moi, là, j'ai tous des hosties d'amis. S'il veut rester en guerre là-dessus, qu'il reste en guerre, moi, j'ai aucun pouvoir sur le placotage des gens autour de moi, là. Ben oui. Regardez, monsieur, moi, là, je trouve ça tellement insoufflant. Okay. Les histoires, ils sortent tout seuls. Ça, ça arrive tout seul. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter tout de suite. Bien, c'est sûr que des fois, tu vois des familles, tes amis, ils ont des parents ensemble encore. T'sais, c'est plus difficile parce que toi, t'aimerais ça retourner comme avant. T'sais, tes parents qui s'entendent bien, puis éviter qu'ils chicanent, puis que tout ça revienne. Moi, ça va prendre un miracle. Oh, on arrive en entente. Regardez, monsieur, ça marche pas. Non. Des fois, il y a des miracles. Quand on est regardez-moi le miracle, je vais laisser ma peau dans cette histoire-là. Je vais laisser ma peau. Ben oui. J'ai jamais reproché de s'être impliqué avec les enfants. C'est lui qui a arrêté parce qu'il était écœuré. Puis savez-vous, c'est quoi la vraie raison? C'est parce même qu'il est retourné avec sa blonde. Même ses meilleurs amis, Chris Collis, Lacan. Fait que c'est moi qui ai un problème. Oh, il y a une chose que vous avez pas dit tout à l'heure. Oui. L'aspect financier. Oui. Est-ce que vous voudriez en parler ou pas? Ben, ça va donner quoi? Ça, c'est bon. Mon ex dit à mes enfants que je prends l'argent pour me gâter moi, OK? Ben oui, ils font jamais rien. J'ai 600 piastres par mois. Font... Ça paye même pas l'épicerie font... de 4 semaines. Oui, est-ce ben, que, vous allez... est-ce que vous allez... Regardez, non, je vous arrête parce que je veux pas qu'on en parle. Comme les enfants se croient souvent la cause principale de leur mésentente, ils pensent aussi qu'ils sont les seuls à être capables de régler les conflits ou à pouvoir en diminuer les effets destructeurs. Les parents n'ont pas idée à quel point le poids de leur querelle pèse lourd sur nos épaules d'enfants. C'est parti? Oui. Papa, maman, je vous aime égal. Puis on est une belle famille, puis j'espère qu'on le restera toujours. Parce qu'une famille, c'est des enfants avec deux parents. Moi, je crois que la garde complète, c'est bien. Mais j'ai déjà eu la garde partagée avec mes deux parents. Puis j'aime beaucoup la garde partagée parce que c'est une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Puis je sais que mon père est capable, lui aussi, de m'aider dans les devoirs puis faire tout ce que ma mère fait. Sauf que c'est sûr que les deux parents sont différents les uns des autres. Fait que je suis sûre qu'il y a des affaires qui vont changer. Marie-Pierre est libre de voir les deux tant qu'elle veut. Il y en a pas de problème par rapport à ça. Mais je comprends pas, tu regardez. Dis qu'il n'y a pas brimé, disons. Attendez, Robert, regardez. Moi, j'aime parler un petit peu à la place de Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle vous aime. Oui. Vous le savez, ça. Oui. Mais Marie-Pierre, elle aime aussi son papa. Mm-hmm. Si on lui demande d'aller vivre principalement chez papa, elle ne peut être que mal à l'aise parce que oui, dans un certain sens, elle est contente. Elle va être avec papa, puis elle aime papa. Sauf que je suis sûr que son cœur est en train de se fendre au même moment parce qu'elle a l'habitude de vivre avec maman. Puis là, maman, elle n'aura plus qu'une fin de semaine sur deux. C'est comme si j'allais chercher un couteau, puis je lui arrachais un bras. C'est pareil. Même si je lui arrache un bras, je vous laisse son bras, je prends Marie-Pierre et je la mets chez papa. Elle te l'a dit tout à l'heure, disons. C'est comme ça. Sentez-le comme ça. Puis si je me trompe, Marie-Pierre, elle peut le dire le contraire. Marie-Pierre, elle peut dire que je raconte n'importe quoi. Tu peux le dire. L'enfant qui est pris dans un conflit de loyauté, c'est un enfant qui aime son parent, aime en fait ses deux parents, veut leur plaire, veut leur attention, veut leur affection. Mais si elle est gentille avec l'un, ben l'autre peut le prendre difficilement. Parce que comme quand l'enfant revient de visite chez un parent, ça c'est typique, et l'enfant dit, ben tu sais Lorraine, quand je reviens de visite, je peux pas dire à ma mère que j'ai aimé ça. Parce que ma mère, elle pleure quand je suis pas là, elle s'ennuie de moi. Donc, quand elle revient, elle va dire à sa mère que ça a été plate chez son père, qu'elle s'est ennuyée. Donc, elle est loyale à sa mère, qui veut entendre
Elle s'attend à ce que son enfant va lui dire qu'elle n'a pas aimé ça. Puis quand elle va aller chez son père, elle va dire que c'est plate chez sa mère, qu'elle avait donc hâte au vendredi pour venir. Donc, étant loyale à chacun de ses parents, mais intérieurement, l'enfant est complètement déchiré. Par rapport au conflit de loyauté, tous les enfants ont ce conflit-là. Il n'y a pas besoin d'être séparé pour être dans le conflit de loyauté, mais quand on n'est pas séparé, ça se sent pas, ça se sent moins. Quand on est séparé, les enfants le ressentent plus et s'ajoute à notre sentiment, c'est la culpabilité. Et fait que là, j'étais triste parce que, tu sais, je croyais que c'était de ma faute. Pour... Je me disais, pourquoi je suis née, tu sais, pourquoi j'existe, pourquoi je fais ça à mes parents, puis tu sais, parce que j'étais toute petite, puis j'ai trouvé ça triste. T'avais l'impression que toutes les chicanes partaient de toi. Mais c'était pas... Elles partaient pas de toi, en fait. Elles parlaient de nos confrontations entre ton père puis moi dans nos valeurs. Mais toi, la vision que t'en avais, vraiment, c'est qu'on se séparait à cause de toi. C'est-à-dire, t'étais le centre de notre univers. Donc, t'étais aussi le centre de nos chicanes. Tu faisais des grandes crises de colère tellement fortes que tu te blessais toi-même. Tu te graffignais au sang, tu te cognais la tête sur les murs. Oh my God! On se demandait qu'est-ce qui se passait. Sais-tu qu'est-ce qu'on s'était rendu compte? Non. Que le problème, c'était pas toi, c'était nous. Mais t'étais toute petite quand on s'est séparés, puis tu t'es mis tout de suite à avoir des préoccupations d'adulte. Aussitôt que tu sentais que ton père ou moi, on avait de la peine ou que ça allait pas bien, là, oups, tu devenais la super-héros de 4 ans, là, le petit bout de chou là, qui devait sauver son père et sa mère à tout prix. T'étais comme un petit adulte dans un corps d'enfant. C'est l'enfer, cet enfant-là, qui doit faire tellement attention. Parce que c'est contre-nature d'un enfant. Parce que l'enfance, c'est la spontanéité. Mais là, c'est comme si l'enfant doit, comme un adulte, songer à tous les mots qu'il va dire. C'est des enfants qui sont très, très préoccupés. Mais j'étais fâchée aussi parce qu'il me disait plein de choses qu'il était pas, que je devais pas savoir, là, que c'était eux qui devaient s'en parler. Puis c'est pas mal ça, là, parce que ça avait pas d'allure, là. Il me disait plein de choses horribles que j'aimais vraiment pas du tout, puis j'aimais pas ça, ça me donnait des frissons des fois. Les parents savent qu'il faut pas parler l'un contre l'autre, ça les empêche pas de le faire. Ils savent que c'est important, les deux parents, dans la vie de l'enfant, mais ça t'empêche pas, des fois, d'organiser tout ce qu'il faut la fin de semaine pour boycotter le contact avec l'autre parent. Tu le fais pareil. Mais les parents le savent, ce qu'il faut faire ou pas, mais ils sont pas en mesure de le faire. C'est ça qui est malheureux. Donc, le thème, j'en ai marre des questions de mes parents et de leurs disputes. Je décide de leur en parler. Moi, je vais prendre du homard, toi? Je sais pas, là. Frère, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas pauvre comme ton père. Bon, on va prendre des nouilles, là. Non, prenons du homard. OK, du homard d'abord. Bon. OK, t'as pas quelque chose que tu vas me dire? Mais là, papa, il est pas là, là. On s'en fout de ton père. Là, je suis tannée des questions. Ouais? Demande-le à mon père. Ben, les questions, là, c'est une blonde, que j'ai mangé. Tu sais que moi pis ton père, ça marchera jamais. Ton père, c'est un têtu. Merci, mesdames. On vous donne le même temps, étant des plus 30 secondes pour vous préparer. Qu'est-ce que tu as fait manger encore, là? Du pâté. Du pâté? J'haïs! C'est dégueu! Va donc y acheter quelque chose de meilleur. T'es paumé? Ben c'est ça, trop une job. Ton père, là, il est méchant. Hein, sais-tu trouver une blonde, ton père? Adieu, cher collègue. Où est-ce que des choses que t'aimerais dire à tes parents dans ta situation? Mais peut-être qu'ils arrêtent de s'engueuler au téléphone. De pas faire soupir aux enfants. Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils savent pas où se mettre. Qu'ils baissent le volume, là. Tu sais, qu'ils mettent ça à normal. Genre à 10, tu sais. Pas à 100. Aller voir un psychologue, je sais pas. La participation au groupe des enfants, ça permet aux enfants aussi d'avoir plus de force, c'est ce que les enfants vont dire, pour dire à mes parents ce que j'ai sur le cœur, comme d'encouragement pour le faire. Parce qu'ils ont peur de le faire, ils ont peur de blesser, ils ont peur de faire de la peine, ils ont peur de mettre plus de chaîne,
entre leurs parents. Donc, ils se retiennent et ils gardent les choses à l'intérieur d'eux. Donc, dans le groupe, quand ils voient que d'autres enfants vivent la même chose ou que d'autres ont essayé telle ou telle chose, donc, ils vont se donner des conseils. Et donc, ça va leur donner plus de force pour dire à leurs parents. On se chicanait beaucoup quand on faisait les changements de garde une semaine à Montréal. Je disais, oh, désolé, je m'en vais dans ma chambre. Ou ben non, je disais, je vais attendre dehors. Mais ça l'épuisait, Zoé. Zoé était vidée quand elle arrivait le dimanche soir. Mettons, ma mère a dit, ah ben là, ton père, il va aller payer pour parce qu'il m'a pas ramené ton pantalon. Puis, tu sais, c'est ça. Puis après ça, je dis, ben là, c'est pas de sa faute, maman, puis tout. Puis là, ben non, je paierai pas ça, là, gars. Puis là, je dis, ouais, mais maman, elle a quand même raison, tu sais, elle aimait beaucoup, puis tout. Mais là, parce qu'à un moment donné, ils ont raison tous les deux, non? Oh, il y a des belles affaires. Je vais aller mettre mes souliers. Ouais. Dedans. Salut, mon petit loup. Mon petit poule. Ben, il y a des moments où je voyais ma fille qui était en détresse. Tu le voyais dans ses yeux. Sauf que je me sentais impuissant. Je ne savais pas comment réagir, comment dealer avec ça. Maintenant, c'est comme, tu sais plus ça te garocher. Tu sais plus quoi penser. T'as la tête grosse dans la main, tu sais. Tu crées du mal aveuglement, puis ça, j'en suis parfaitement conscient. J'y en ai fait de la peine, puis j'ai fait de la peine à la mère. Je me suis fait de la peine à moi-même, tu sais. Ce que j'avais remarqué entre Nadine puis Michel, c'est que quand il y avait des querelles, il n'y a pas un qui écoutait l'autre. Ça se chicane là, sans s'écouter, puis c'est la guerre de qui va avoir le dernier mot, puis qui a raison. Papa, on dit ça, en gros maintenant. Moi, j'ai rencontré des enfants en grande détresse psychologique, des enfants qui soit n'avaient plus de voix ou qui n'ont jamais été entendus. Alors, des fois, c'est comme s'ils parlaient dans le désert ou s'ils criaient dans le désert. Les parents ne les entendent plus parce que ces parents-là sont trop pris par leurs propres conflits, leur rancœur, leur peine, leur désarroi et leur propre détresse psychologique. Je pleurais quasiment tous les soirs, moi. Ben, fallait que ça sorte, fait que... J'imagine qu'ils s'inquiétaient pour ça, mais... En même temps, ils étaient tellement occupés à se chicaner que je sais pas s'ils s'en rendaient compte, là. Mes amis, à la garderie, ils me faisaient des blagues, tout le monde riait, puis moi, j'étais de même. J'étais tellement triste, là. J'étais plus capable... Je savais plus, vraiment, j'étais comme... tellement triste que je pensais juste à ça, que je pensais plus aux autres choses, que j'étais comme dans ma bulle en moi, puis que je réfléchissais à ce que j'ai fait. Le pire que j'ai vu, c'est quand un enfant abandonne, que l'enfant n'a plus de réaction, il exprime plus ses émotions difficiles, qu'il croit plus que ça vaut la peine, qu'il pense pas qu'on va l'écouter et qu'il s'enferme dans sa coquille. Et là, ça peut être très, très grave. Donc, on peut avoir des enfants qui vont avoir des problèmes de santé mentale. Donc, l'enfant va chercher à fuir dans un monde imaginaire parce que son monde réel est épouvantable. J'en ai rencontré des enfants comme ça et ça prend une intervention en psychiatrie, en pédopsychiatrie, avec une équipe de plusieurs professionnels pour travailler avec la famille. Vous savez, j'ai dû rencontrer des enfants qui avaient fait des tentatives de suicide à 8 ans. J'en ai rencontré. C'est un 25 cents, là, il y a un pile puis une face. J'ai fait des bonnes choses, puis j'en ai fait des mauvaises. Fait que, regarde, je vais te dire honnêtement, parce que je suis honnête, là, pour ce qui est des devoirs, des leçons, là, c'est fuck-on. Je suis fuck-on, là, c'ti. Ils sont mieux avec elle. Qu'est-ce que ça vous fait
quand Robert vous dit que les enfants sont mieux avec vous, au point de vue de l'école, des devoirs, etc.? Il y a juste à s'impliquer. J'apprends, moi, avec. C'est toutes des choses nouvelles, autant pour moi que pour lui. Fait qu'il y a rien qu'à s'asseoir puis les faire. Ben, c'est de la discipline, mais comment vous recevez c'est de l'encadrement. Comment vous recevez ça? Parce que là, il est en train de parler de votre compétence. À comprendre. Il est en train de dire... Oui, je comprends. Mmh, ça paraît pas. Moi, une attitude comme ça, je suis pas capable d'y aller. J'en ai des palpitations depuis tantôt. Cette agressivité-là, faisait... moi, je suis plus capable de la vivre. Ça fait combien de temps que vous étiez avec lui? On a été combien d'années? 8 ans, 10 ans? Il a toujours été comme ça? Oui. C'est un homme que si on veut... C'est ça, notre incompatibilité. Oui, non, blanc, noir. C'est comme ça. Quand on veut régler des choses, on n'arrive pas à se parler et à s'entendre. Est-ce qu'elle t'entend oui, non, blanc, noir, toi? Non, je veux savoir, parce que ça se peut que je sois des imbéciles anonymes aussi, là. Parce que, garde, moi, ça, j'entends pas. C'est de l'arrogance. Je suis pas capable d'entendre ça. C'est de l'arrogance. Ben. Regardez. Les enfants, ils disent des choses, des fois, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Puis des fois, c'est pour ça que je vous propose de venir avec, c'est que des fois, quand ils viennent ici, quand on les fait venir, on a un autre discours. Et puis pour la médiation, ça peut être positif dans le sens où on va vers autre chose plutôt que vers le conflit. J'ai réalisé que les parents, la majorité du temps, sont bien capables d'entendre ce que leur enfant a à dire. Des fois, c'est pas facile ce que les enfants leur disent. Mais alors, ben, je suis tannée que mon père et ma mère s'engueulent. C'est gossant. Puis genre, je voudrais que ça change parce que je suis tannée qu'ils chicanent. Aussi, que s'ils ont une chicane entre eux autres, ben qu'ils se parlent soit au restaurant ou je sais pas, mais pas au téléphone devant nous. Peu importe ce qui va se passer ou ce qui va arriver avec la garde, les problèmes familiaux, la médiation, je vais toujours les aimer pour ce qu'ils font. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes capable de vous communiquer ensemble. C'est énervant, puis j'aime pas ça vous entendre vous chicaner ensemble. Fait que ça serait le fun que vous deux vous trouviez un train d'enfant, puis que nous on s'en allait peut-être chez grand-maman à quelque part se faire garder, puis que vous passiez une journée ensemble à discuter puis à trouver des solutions pour vous aider. Comme ça, il pourrait y avoir une garde partagée, on pourrait se parler comme il faut. Et d'arrêter de sacrer un petit peu, parce que ça donne pas beaucoup l'exemple. Fait que ça serait le fun que vous trouviez un train d'entente. Thanks, c'est ça. Je vous aime. Bisous. Bye. Ouais. J'ai une question à te poser. C'est que si on regarde ta vidéo, tu leur as dit quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? De qui voudrais-tu un commentaire, une réponse Les deux. Les deux? T'aimerais qu'ils s'expriment là-dessus? Qui voudrait s'exprimer? Ben moi, j'ai entendu ce que Joanie a dit. J'entends aussi sa peine par rapport à notre mésentente. Puis j'entends aussi que son désir, c'est d'avoir une garde partagée. Mais j'ai aussi entendu que si on arrive à un terrain d'entente. Quand on parle de ce sujet-là. Puis c'est l'enjeu pour vous deux.
y a des actions à prendre. C'est votre choix à tous les deux, maintenant. Le parent doit avoir de l'oxygène pour être capable d'aider son enfant. Et c'est pour ça que quand ils viennent à la coparentalité, quand ils viennent en médiation, ils vont des fois utiliser la médiation, ils vont se défouler, ils vont s'engueuler, ils vont se critiquer, et ils vont sortir de là, on espère avec une lueur d'espoir, pour dire bien, peut-être que là, je peux plus prendre soin de mon enfant parce que là, je suis en train de travailler en médiation. Non, avec ses patates. C'est pour les patates, Lily. J'y mets juste une goutte. Ça, je vais le faire. Comme nous, on est allé chercher un terrain neutre en médiation. Le groupe Confidence, c'était un peu son terrain neutre pour pouvoir s'exprimer de tout ce qu'elle avait ressenti dans les dernières années par rapport à la séparation, qu'elle n'avait jamais pu ressortir ni à son père, ni à moi, parce qu'elle avait toujours peur de nous faire de la peine ou de se sentir jugée dans ce qu'elle allait dire ou tout. Donc là, c'était vraiment un moment là, pour sortir toutes les émotions qui étaient restées cachées longtemps. Ça a été vraiment là, un moment magique. Le groupe Confidence, Zoé, a comme été une fleur qui s'est épanouie. Les enfants sont extrêmement créateurs, mais aussi très rapides pour exprimer leurs solutions. Hein? Les parents, s'ils étaient ici, on pourrait leur faire ces suggestions-là. Mm-hmm. Maintenant, il y en a des enfants ici qui vivent des chicanes comme ça de leurs parents, qu'ils entendent s'engueuler, que ça leur est arrivé d'être même utilisés par les parents. Oui, Alexandra? Mais moi, c'est papa pantoute, fait que... C'est papa pantoute, fait que... C'est moi qui... Ça veut-tu dire que t'as beaucoup d'ouvrages? Oui. Ça veut dire ça? Mais dans le fond, tu te dis que c'est mieux de faire ça que d'entendre leur chicane, mais dans le fond, c'est pas bien, là. Avez-vous déjà essayé une solution pour que ça aille mieux? Oui. Oui, je fais juste pas en parler, parce que ben, si je m'implique là-dedans, ben là, il y en a... Mettons, je dis quelque chose à mon père, là, ma mère pourrait pas être contente avec ce que je dis à mon père, puis... Fait que j'essaie de pas m'impliquer à la place de... Marie-Pierre. Ben, à la place que les parents se disent des bêtises puis que nous, on l'entende ou que, tu sais, parce qu'à la maison, chez moi, on prend les messages, tout le monde peut les prendre. Mm-hmm. Puis, ben, à la place d'entendre le message, ben, c'est sur un cahier. Ah. Fait qu'il y a rien qu'à le donner, puis ben, le message. Là. Ben, coudonc, c'est une bonne idée. On va la mettre. Peut-être que d'autres pourront l'utiliser. Étant dans le groupe Confidence, ce qui semble aussi a beaucoup d'impact à la dernière rencontre, quand tous les parents sont là avec les enfants vont préparer une petite pièce de théâtre et ils vont illustrer, en jouant le rôle des parents et des enfants, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, enfants, d'être le messager des parents ou d'entendre toujours mon père parler contre ma mère ou l'inverse. Parce que là, j'ai demandé à me donner mon micro-ondes, OK? Fait que là, tu vas aller lui dire de me redonner mon micro-ondes parce qu'elle m'a le volé. C'est ce qu'on a fait dans toutes les sessions du groupe. On a un problème, mais on a toujours des solutions disponibles. Vous êtes prêts? Ah, qu'elle m'a enragé, elle, parce qu'elle m'a volé mon micro-ondes. OK. Fait que tu vas lui dire de me redonner mon micro-ondes, OK? Pourquoi? Parce qu'elle m'a volé même mon micro-ondes, ma télé, mon ordi, puis ça m'enrage. Tu peux pas aider toi-même? Hein? Ah, regarde, vas-y, ouais. Allô? Papa, il veut que tu y rentres son micro-ondes, son ordi... Non, gars, il fait 4 fois plus à chaque mois. Il n'en est pas question. Allô? Allô? Ouais, maman, veut pas. Ben, gars, dis-y qu'elle me l'ordonne, parce que sinon, elle aura du trouble. Ben là, je sais pas. Donne-moi ça! Yo! Tu fais 4 fois plus d'argent que moi, OK? Pourquoi je te donnerais ça? Puis c'est toi qui es parti. Tu vas voir, moi, je m'appelle la police. Tu m'as volé mon micro. T'es sûr de ça? Quoi, tu vas te faire casser les jambes. Tu fais 4 fois plus d'argent que moi. Ça, c'est un détail. C'est toi qui es parti. Maintenant, vous allez jouer la solution. Comment est-ce que ça pourrait se passer entre papa et maman qui serait bien pour vous? Ta mère, t'as-tu parlé de micro? Non. Ah, que ça m'enrage. Bon, je vais aller y parler, là, parce que, ben, je veux avoir mon micro. Bon, je reste à côté de l'auto, là. Ouais, c'est ça. Je vais aller magasiner après. Bon, ding-dong, ding-dong, ding-dong. Vous voyez mon micro, peux-tu le revoir, s'il vous plaît? Ben, c'est parce que c'est normal, là. Tu fais plus d'achat que moi. Fait que tu vas me le donner, s'il vous plaît. Non. OK, je te fais un deal. Tu me donnes mon micro, ma télé, je te donne l'ordi. Ouais.
OK, parfait. Bon. OK. Bien, merci beaucoup, les enfants. On peut les applaudir, je pense. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres parents qui sont allés au séminaire de coparentalité qu'on a ici pour les parents? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces séminaires-là pour vous? Moi, j'ai vécu ça, puis ça m'arrive de le vivre encore. Je pense que la séparation, c'est quelque chose qui n'est pas facile, puis d'accepter tout ça, c'est pas toujours le fun. Là. Puis ce que je trouve le plus plate, le plus dur là-dedans, c'est effectivement, c'est trop les enfants qui mangent la claque, en bout de ligne. Puis ben c'est bien qu'il y ait des places comme ça qui puissent l'exprimer, tu sais, c'est pas toujours drôle, là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être les adultes qui devraient venir s'asseoir ici le soir et puis faire des sketchs entre eux autres. Là. C'est ben, pas toujours facile, oui. Le fait que ça vienne des enfants, ça a plus d'impact que si c'est un professionnel qui le dit dans le cadre d'une consultation. Alors, les enfants, d'ailleurs, vont le jouer avec beaucoup de force et de crédibilité. Et ça, ce que j'ai réalisé, c'est que ça amène beaucoup, beaucoup de conscientisation chez les parents. Okay. Le but du questionnaire des parents, c'est est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie de votre enfant, de votre point de vue? Ma confiance est blessée, puis ça me prend beaucoup d'efforts. Mais je suis prête à aller faire les efforts. J'ai vraiment envie qu'on marche ensemble, parce que c'est dur de marcher tout seul avec trois enfants. Quoi d'autre? Aujourd'hui, pour moi, ce qui est vraiment, mais vraiment le plus important, c'est ce que mes enfants veulent. C'est ça qui est important. C'est tout. Marie-Pierre, elle a exprimé quelque chose la dernière fois ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, personnellement, je ne veux plus de garde partagée. Je l'ai dit à Marie-Pierre, j'ai dit le pourquoi. C'est juste la façon qu'on élève les enfants qui est très différente. Puis je l'ai dit à Marie-Pierre, j'ai dit, moi, je trouve ça difficile, j'ai plus envie de revivre ça. Puis moi, ma décision, elle est claire. J'en veux plus de garde partagée. J'écoute mon cœur, je veux plus de garde partagée. Mais j'ai dit à Marie-Pierre, moi, je te suggère d'aller essayer avec papa. Si t'es bien avec papa, tu restes avec papa. Puis si tu veux revenir, la porte va toujours être ouverte. Donc là, elle pourrait partir? Oui. Essayer chez papa? Oui. Puis si au bout d'un mois, elle veut revenir, ça serait correct? Elle va revenir. Là, il y a les trois filles qui sont là, elles nous écoutent, elles nous entendent, et c'est important. Ça serait quoi? Ben, peut-être, pour ma part, d'essayer peut-être d'écouter un petit peu plus vraiment les vrais besoins de mes filles, puis de... peut-être un petit peu plus oublier les miens, là, mais d'avoir un peu plus d'écoute aux vrais besoins de mes enfants, puis d'être assez... d'être capable de m'asseoir avec les autres et de regarder ça de bonne foi. Voir peut-être aux vraies choses des filles puis d'arrêter de penser que qu'il y a un gros méchant ou une grosse méchante en arrière de tout ça. Là. Ça vous fait quoi, ce qui vient de dire? Ben, t'as toujours voulu ça. Mm-hmm. C'est ce que je veux. Ou ce qu'on a manqué en tant que couple, je veux qu'on réussisse en tant que parent. Et vous êtes capable? Ben oui, on est capable. Tout est possible. En médiation, on le dit souvent, les experts, c'est les parents. Et leur décision va avoir un impact et une conséquence directe sur les enfants.
Donc, à aucun moment, un médiateur ne peut favoriser un point de vue ou un autre, à aucun moment. Mais par contre, ce qu'il peut favoriser, c'est qu'il y ait une entente commune, une compréhension mutuelle et une décision commune. Parce que c'est les parents qui vont vivre avec cette décision pendant des années et des années. Et c'est les enfants qui vont aussi en subir les conséquences. Maintenant, si on y allait aujourd'hui, toi, c'est quoi les sentiments que tu vis maintenant ou que tu ressens par rapport à la séparation de tes parents ou par rapport au conflit qu'il y a entre tes parents? Bien, c'est sûr que c'est pas le fun, là, les conflits, là, mais il y en a moins, là. C'est sûr que... Il n'y en a plus trop, là. Donc, toi, tu trouves qu'il y a moins de conflits qu'avant entre papa et maman? Ah! Et comment tu sais ça, toi, qu'il y en a moins? J'entends plus les messages ou les trucs... Fâchant, là. Moi, puis disons, il y a peut-être de quoi qui s'est jamais réglé entre nous deux, puis aujourd'hui, c'est plus important que ça se règle. Elle a eu ses blessures, j'ai eu les miennes, puis on changera pas le passé. C'est de bâtir l'avenir, tu sais. Nos différends d'avant, on n'est pas arrivé à régler, c'est correct. On passe à d'autres choses. Là, aujourd'hui, ben, c'est vraiment les filles. Pour qu'un changement vienne, il faut que ça vienne d'abord dans un changement de pensée. Donc, c'est la perception qu'on a, c'est notre conception qu'on a de quelque chose avant que le corps suive dans ses paroles et dans ses actions. Puis le reste aussi, ça, c'est un livre aussi. C'est des trucs qui venaient ici. D'accord. Ouais. J'ai trouvé... J'allais chercher, j'avais pas trouvé. Okay. J'ai amené la facture du cadeau pour Amélie. OK. Il y avait le DVD aussi pour l'école, là-dedans. OK. Mes parents, ils m'ont eu. Puis là, après ça, ils se sont séparés, 3 ans après. On a des recompositions familiales extrêmement rapides. Et ça, les hommes sont champions là-dedans, beaucoup plus que les femmes, pour se remettre en couple rapidement. Alors, il y a des fois que les parents se séparent et les deux parents sont en couple quelques semaines après. Donc, pour lui, l'enfant, c'est énormément de changements. Savoir que ses parents se séparent, il faut s'habituer à ça. Mais là, maintenant, il faut que je m'habitue à une nouvelle blonde de mon père ou chum de ma mère. Donc, ça vient mettre au défi les capacités de l'enfant de s'adapter. Mon père, il a rencontré beaucoup de femmes avant la bonne. La même chose pour ma mère. Mais là, ils ont trouvé le bon et la bonne. Quand mon père a rencontré Louise, leur première rencontre, c'était à cause du colloque de mon père. Louise, c'était l'amie au colloque de mon père. Puis, elle avait besoin de faire réparer ses planchers. Fait que là, mon père puis son colocataire, ils ont été chez elle faire le plancher. Puis là, c'est là que j'ai rencontré. Elle était fine. Mais tu sais, j'ai trouvé ça bizarre un peu comme rencontre, là. Tu sais, puis là, qu'ils s'aiment beaucoup, beaucoup. Puis là, que ça finisse par qu'ils sortent ensemble. J'ai trouvé ça vite, tu sais. Vite. Comme ça, tu sais. Ah oui, ma première rencontre avec Luc, c'était chez lui. Il avait les cheveux longs, frisés. Puis il m'avait fait écouter un documentaire, je comprenais pas, là. Après ça, on avait mangé du pâté chinois au tofu que je n'avais jamais mangé. Puis que j'avais vraiment aimé. Parce qu'il ne me l'avait pas dit que c'était au tofu. Il me l'a dit un an après. Au début, ça me tracassait un peu. Qu'il y ait quelqu'un dans la vie de ma mère, ça me tracassait quand même beaucoup, là. Parce que j'avais peur qu'il remplace mon père pour toujours. Tu comprends que la machine à laver? Non. Puis, là, ils ont eu des enfants tous les deux. Ma mère, ça a été la première à avoir un autre enfant, Lily Rose, ma plus vieille sœur. Après ça, c'est mon père qui a eu un enfant, un garçon, Edouard, le entre les trois. Puis après ça, c'est encore mon père. Il y en a une autre, Marie-Lise, qui est la plus jeune, ben, à date, là. Puis là, il y a ma mère qui est tombée enceinte, qui va accoucher dans un mois. C'est embêtant d'être une grande sœur parce que, ben, oui, puis non, dans le fond, parce qu'ils sont tout le temps après toi. Fait que des fois, tu peux pas avoir ta propre intimité avec toi-même. Mais en même temps, tu sais, c'est le fun de s'occuper des plus jeunes. Tu sais, t'es trop tellement cute que tu veux tout le temps être avec eux. Mais en même temps, tu veux de l'activité. Fait
c'est comme entre les deux, là. C'est fou comment ils ont de l'imagination, tu sais, fait que je rentre dans leur monde. La vache, le canard. Parfait. Quoi, 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 quoi. Il y a vraiment beau, en plus. La plus grande qualité de ma belle-mère, elle est super fine. On fait les folles ensemble, souvent. Oui, elle me fait beaucoup rire. Ouais. La plus grande qualité de mon beau-père, c'est qu'il essaie tout le temps de trouver des activités pour qu'on fasse en famille ou ben, juste nous deux ensemble. Puis, c'est pas mal ça, là. J'ai un beau-père idéal puis une belle-mère idéale. J'aimerais savoir si on met ça sur une petite carte. Ça serait quoi le contrat familial? Parce que les enfants ont exprimé des demandes, vous, vous avez accepté. Bien, de se respecter entre nous autres, là. Moi, j'ai marqué que je m'engageais à ne rien dire du père des enfants qui pourrait les blesser et avoir une vision de leur père qu'elles aiment, qui serait une vision négative. OK. J'ai marqué que je m'engageais aussi à ne pas alimenter tout propos des enfants sur ce qui se passe chez leur père dans le but de satisfaire ma curiosité. Parce que souvent, les enfants, ils arrivent, puis je me rends compte qu'ils me viennent à la pêche, puis je mords un collier. Vous mordez la ligne. Ah oh, oui, je mords à la ligne, puis là, je veux en savoir plus. Puis ça, c'est très, très malsain pour moi. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait faire un genre de certificat avec toutes les affaires dessus. Là. Il y en a pas ici, mais comme une genre de assez large, là, puis qu'on puisse l'encadrer pour que ça reste tout le temps à la vue de tout le monde. Juste comme ça, là. Dans l'entrée de la maison, montrer ça à toute la visite. T'es pas là, mais... Tout le monde... Gros poster. Tout le monde dans le quartier. Oui, dans l'harmonie. Grâce à la médiation, ça l'a changé un peu dans ma famille, ben mes parents. Puis je crois que c'est aussi le médiateur. Grâce à lui, ben ça, mes deux parents, ils sont capables de se parler un peu mieux. Puis ça continue comme ça, il se dit plus d'un seul, puis ça va bien. Ben, je pense que c'est la plus belle amélioration qu'il peut avoir. C'est plus soulageant parce que ça arrête, là, t'es calme. Dernière chose, on appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Contrat familial. Contrat familial? Un engagement. Un engagement familial. Tu t'engages à faire ça. Un engagement pour bien-être de la famille. Un engagement d'amour. D'amour, de respect. C'est ça. Moi, je mettrais un titre. Et si on se respectait? Oui! Vous avez le stylo, faites ce que vous... Est-ce que ça fait l'unanimité? Très bien. Est-ce qu'on peut tout signer dessus? C'est dans Hein? Je sais la dernière. Ouais. Ouais. On a décidé ça. Ouais. Vas-y, pas. Signe. Vas-y, pas. Signe. Je marquerai à la fin famille complice. Famille. Juste famille. Oh! Parce que c'est le résultat. Famille complète. Une famille complète. Oui. Je voudrais juste, oui. Merci pour la rencontre. De rien. Merci pour me donner le privilège de voir une belle famille comme ça. Mmh. Non, mais ça, il y a eu un gros bruit. Tu veux que je te fasse une petite moustache? Je suis contente que mes parents soient respectueux envers moi. Même avec plein de petits frères et petites sœurs, il y a une place pour moi. Puis ils me le disent souvent en plus. Fait. Il y a sans doute beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore retrouvé leur joie de vivre. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, t'auras du loulou. Maman est en haut, qui fait du gâteau. Papa est en bas, qui fait du chocolat.
Fais dodo, coule à mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Il est certain que leurs parents aussi sont tristes et s'inquiètent. Ils voudraient sûrement revoir leurs enfants sourire et être heureux. Si vous voulez que les enfants retrouvent la paix, il faut peut-être simplement que vous, les adultes, arrêtiez la guerre.